Donc là, on est parti avec les pneus nordiques, c'est-à-dire comme les pneus cloutés, sauf qu'il n'y a pas de clou. Alors, avec les pneus cloutés, on s'arrêtait vraiment en ligne droite parfaitement. Là, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, le point de freinage. Hop. On entend l'ABS. Mais on freine vraiment en ligne droite parfaitement. On s'arrête évidemment beaucoup plus loin parce qu'il y a moins d'accroche. Et on repart aussi sans patiner, sans rien. Et on va voir, il y a un virage là-bas. Quand on va tourner, on va garder le pouvoir directionnel. C'est assez bluffant. Hein, voilà, on tourne. Évidemment, on n'est pas à des vitesses, on est à 20 km/h. Hein, mais voilà, on ne dérive pas du tout. Et on réaccélère sans patiner, sans rien, en ligne droite, parfaitement. Alors, deuxième essai. Là, on est en pneu été. On a dû nous pousser pour démarrer. Je rappelle qu'on est quand même sur un lac gelé. Hein, donc, c'est de la glace à 100%. Donc, on va un petit peu moins vite. Et on va voir. Là, on arrive au point de freinage. Clac. Ah, là, c'est du curling. Hein. C'est du curling. Regardez, on est à fond là, on entend l'ABS et on va arriver quasiment à ces poteaux là. Voilà, on a dépassé les poteaux. Donc une distance de freinage qui a encore été allongée. Et je pense que là aussi dans le virage, ça va être assez coton. Là, c'est un peu plus délicat. Hein. Quand même. Et enfin, dernier pneu, ça c'est le pneu hiver. Alors on arrive au point de freinage. Donc là aussi on entend l'ABS. Ça freine un peu plus court évidemment que le pneu été. Par contre, au redémarrage, voilà, on redémarre sans trop patiner. Il y a un peu, voilà, si quand même, mais il y a un peu plus de motricité quand même que sur le pneu été. Et surtout le pouvoir directionnel, on garde quand même un peu de pouvoir directionnel. C'est que voilà, on tourne, on va même un peu plus vite, on est à 20 km/h alors qu'avec le pneu été on était à 10 et sur les œufs. Voilà, on réaccélère sans problème, on patine pas trop. Là on est à 40. Freinage, ça freine, on va pas tout droit. Et voilà, on tourne et ça tourne aussi.